TikTok m'a payé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler combien est-ce que j'ai gagné en un mois sur TikTok. C'est le premier mois où j'ai été monétisée sur la plateforme et où j'ai pu gagner de l'argent en créant des vidéos directement sur TikTok. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, TikTok a créé ce qu'on appelle un Creator Fund, c'est un fonds créateur. C'est-à-dire que dans certains pays, TikTok a mis de l'argent dans un fonds afin de rémunérer les créateurs de contenu pour les vidéos qu'ils produisent et en fonction des vues que les vidéos génèrent. Pour la faire plus simple, une fois que vous avez réuni trois conditions que TikTok impose afin de commencer à gagner de l'argent grâce aux vidéos que vous allez mettre directement sur la plateforme, toutes les vues que vous allez générer après avoir réuni ces conditions vont être comptabilisées et TikTok va vous rémunérer en fonction du nombre de vues que chacune de vos vidéos génère. Il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a donc trois conditions qu'il faut réunir afin de commencer à être rémunéré par TikTok. La première, c'est qu'il faut avoir un minimum de 10 000 abonnés sur la plateforme. La deuxième, c'est qu'il faut obtenir au moins 5 000 vues sur vos vidéos sur les derniers 30 jours. Et la dernière, c'est qu'il faut avoir un minimum de 18 ans. Une fois que vous allez avoir ces conditions qui sont réunies, TikTok va vous permettre de postuler sur le Creator Fund si votre pays fait partie des pays dans lesquels le Creator Fund est disponible. Il faut noter que tous les utilisateurs n'ont pas accès au Creator Fund. Ça dépend du pays dans lequel vous résidez. La France fait partie de ces pays-là et en général, les pays d'Europe, si je ne me trompe pas, font partie des pays qui ont accès au Creator Fund, ainsi que les États-Unis et l'Australie, il me semble, le Royaume-Uni. Si vous vivez en Afrique ou en Asie, il faut vérifier la liste parce que c'est pas disponible pour tout le monde pour l'instant. Mais j'imagine que ça le sera dans un futur proche. Me concernant, j'ai réuni ces conditions à peu près 7-8 mois après avoir commencé mon compte TikTok. Il faut savoir que j'ai pas pris TikTok très au sérieux dès le départ. J'ai commencé à être très sérieuse et rigoureuse avec mon compte TikTok au mois de décembre et j'ai été monétisée le 12 janvier 2022. Donc pendant tout le mois de décembre, j'étais en train de filmer des vidéos, je postais plusieurs vidéos par jour, entre une et trois vidéos par jour, et je me suis pas arrêtée. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre la barre des 10 000 followers et des 100 000 vues en 30 jours. Si c'est quelque chose que vous avez aussi envie de faire, il faut créer un maximum de vidéos. Regardez aussi les autres vidéos de cette playlist dans lesquelles je vous explique comment est-ce qu'on fait pour créer des vidéos qui sont virales et comment est-ce qu'on fait pour passer de 0 à 10 000 followers. Après un mois de dur labeur, j'ai finalement réussi à être monétisée sur TikTok. TikTok m'a débloqué l'option pour pouvoir postuler pour le Creator Fund, ce que j'ai fait dès que j'ai réussi à atteindre le nombre de followers suffisant, parce que j'avais déjà le nombre de vues qu'il fallait. Ce qui me manquait, c'était juste le nombre de followers. Une fois que vous avez postulé dessus, TikTok va venir regarder votre compte et voir si tout se passe bien et au bout de quelques heures, il va accepter votre demande ou non. En général, il n'y a pas de souci et ils acceptent votre demande. Sauf si vous avez des problèmes de plagiarisme, etc. Mais ça n'arrive pas souvent, donc aucun souci à se faire là-dessus. Donc la monétisation, comment est-ce que ça se passe? À partir du moment où vous êtes dans le Creator Fund, TikTok va commencer à vous payer en fonction du nombre de vues que vos vidéos font. Mais il faut noter que seules les vues que vous avez générées après être entré dans le Creator Fund vont compter. C'est-à-dire que toutes les vues que vous avez faites avant ne vont jamais être monétisées. C'est à partir du moment où vous êtes entré dans le Creator Fund que les vues qui viennent après, qui sont générées, les nouvelles vues, vont vous rapporter de l'argent. Pour ma part, du 12 janvier, c'est-à-dire le jour où j'ai été monétisée, jusqu'au 12 février, j'ai généré, je vais vous dire combien, 4 641 668 vues en un mois sur TikTok. Donc c'est énorme et je suis très très contente de voir ce chiffre, même si je vois qu'il a baissé par rapport au mois précédent. Mais bon, c'est pas grave. En même temps que j'ai gagné des vues, j'ai gagné des followers, j'ai gagné des visites profil, des j'aime, des commentaires, des partages, etc. TikTok n'a pas donné de détails précis sur combien une vue ramène exactement. Donc moi, je vais vous dire, en fonction de ce nombre que je viens de vous indiquer de vues que j'ai obtenues en un mois, combien est-ce que j'ai gagné. TikTok m'a payé 42,07 €. C'est le montant que j'ai gagné sur l'application TikTok en étant monétisée pendant un mois et avec plus de 4 millions de vues. Donc ça peut paraître pas énorme, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'avant, je créais des vidéos sans être payée par l'application TikTok. Et aussi, vous pouvez gagner de l'argent sur TikTok par d'autres moyens que juste avec ce Creator Fund. Je vous ai indiqué les différentes manières de gagner de l'argent sur TikTok dans la vidéo précédente que vous retrouvez juste ici. Le plan et le but, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent directement en étant payé par TikTok, mais d'utiliser mon compte TikTok et ma plateforme pour avoir des collaborations, éventuellement de vendre un produit ou un service à mon audience et d'être créatrice de contenu pour des marques, ce que je fais déjà à l'heure d'aujourd'hui. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur le métier de créateur de contenu et comment est-ce que je fais pour trouver des clients, etc., je vous invite à me laisser un commentaire juste en bas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour devenir un expert TikTok et réussir à monétiser votre compte en gagnant des followers. Si vous avez aussi été monétisé sur TikTok, n'hésitez pas à partager avec nous combien est-ce que vous avez gagné en un mois. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui ont peut-être besoin de motivation afin de continuer à poster des vidéos sur leur compte TikTok. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier et je vous dis à la prochaine. Ciao !
Bravo Malik. Donc 3... Apply en français. Bah non. Une fois que vous allez avoir réuni, une fois que vous allez avoir réuni, une fois que vous allez avoir réuni, c'est... Une fois que vous allez avoir... Une fois que vous allez avoir réuni. Voilà, mec. Pourquoi est-ce qu'on casse la tête aux gens? Je suis un peu choquée du nombre de vues. Ça fait... Ok. Weird. Anyways. Oh my god, vraiment, aujourd'hui, c'est pas facile.